Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une question assez compliquée pour aller un petit peu plus loin et pour réfléchir. Alors, est-ce que si je vous donne un nombre qui est divisible par 9, est-ce que forcément il est divisible par 3? Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que si je vous donne un nombre divisible par 9, il est automatiquement divisible par 3? Alors, si un nombre est divisible par 9, eh bien, votre nombre, il s'écrira 9 fois un autre nombre. Votre nombre, il sera dans la table de 9, c'est-à-dire il s'écrira, on peut l'écrire comme ça, hein, 9 fois, et puis on n'a qu'à faire un petit carré, et ce petit carré, c'est un autre nombre. On imagine que c'est votre nombre, c'est 9 fois un autre nombre. Mais vous voyez que être divisible par 9, ça veut dire que vous êtes un nombre qui est dans la table de 9. D'accord? Mais 9, ce n'est autre que 3 fois 3. Donc 3 fois 3 fois ce nombre-là. D'accord? Eh bien, regardez, si j'écris 9 comme 3 fois 3, eh bien, automatiquement, j'ai écrit mon nombre initial comme 3 fois quelque chose. Et donc, je suis maintenant dans la table de 3. Mon nombre que j'ai pris au début, il est dans la table de 3. Et si mon nombre, il est dans la table de 3, il est donc divisible par 3, tout simplement. Voilà un petit quelque chose pour sentir un petit peu l'idée. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Donc la réponse, c'est quoi? Eh bien, c'est vrai.